Mesdames et messieurs, salut à tous. Je dis encore une fois, nous allons prendre un cours sur Word et puis nous allons voir Excel, Publisher, QuickBooks, etc. Et je dis à ça, nous allons voir dans Word, un cours pas assez long, nous allons voir une vidéo trop longue. Nous allons voir comment nous faire en tête de page dans un document Word. Mais en tête de page que nous allons faire en sorte que si nous avons plusieurs pages, en tête première page, là, différent de en tête deuxième page, ainsi de suite. Pour le moment, nous avons un document vide dans Word avec nous. Ça nous va faire, nous va remplir avec une série de paragraphes et de textes. Premièrement, ça pour nous faire, si, par exemple, si nous n'avons pas rien, nous avons un texte pas déjà écrit, nous avons dit formule, nous pas l'appliquer. Par exemple, nous, sur clavier, nous écrit égal, et puis nous écrit rand, R-A-N-D, et puis nous ouvrons parenthèse, et puis nous dit, par exemple, dans rand, nous voulons, par exemple, nous gagner 6 paragraphes, puis qui a gagné, par exemple, 15 phrases là-dedans à chaque paragraphe. Nous fermons en parenthèse, nous faisons entrer, et puis nous banons automatiquement 3 pages là-dedans, première, deuxième et troisième page. Maintenant, une fois que nous avons un texte en main, nous allons faire une mise en forme de texte pour nous capables de bien écrire le texte. Nous voulons mettre en tête dans chaque page, et puis barre de page également, qui sera en tête là. Comme nous l'avons dit, c'est premier en tête là, c'est l'on clique deux fois dans le premier bas de règle là, les bons ont en tête et vous capable de mettre un titre là-dedans. Par exemple, dans la tête Jodia là, et les banons dans l'outil de page là, immédiatement, les marquer en tête de page. Dans le premier en tête là, nous allons formater, nous allons aller dans l'accueil, et puis nous faire gras, et puis nous mettre au milieu, et puis nous capable d'ajouter, faire un petit peu plus grand que le reste du corps du texte. Une fois que nous gagnons qu'on y a là, nous parlons écrit et le titre que nous parlons écrit, nous mettons la majuscule. Nous mettons introduction. C'est mon exemple. Une fois que nous écrit introduction qu'on y a là, nous gardons la deuxième dans l'autre page. Les ballons, nous gagnons deux autres pages et toujours ballons introduction. Donc, la troisième page, les ballons introduction. Donc, ça, nous pouvons faire après, on est encore dans la première page là. Et puis, qu'on y a là, nous pouvons faire marque de page. Donc, c'est une façon pour nous capables de respecter le marque de page. Là, nous regardons en haut, dans la tête de colonio, nous voyons marquer marque de page. Nous cliquons sur les mêmes, dans marque de page là, les ballons petit pointillés comme ça. Et puis, une fois que nous rentrons dans marque de page là, nous allons dans mise en page. Et puis, dans mise en page là qu'on y a là, nous descendons dans le corps du texte là. Et puis, nous cliquons sur saut de page. Dans saut de page là qu'on y a là, nous prenons que sur nous. Nous allons en bas, dans le dernier paragraphe là, dans le dernier mois, et puis nous allons dans la page, et puis nous faisons page suivante. Immédiatement, les banons ont un petit paragraphe, deux petits points, et puis en bas du texte, et allez immédiatement, que c'est allé dans la deuxième page, dans le premier mois. Bon, là, qu'on y a là, nous finissons faire les, mais nous pour être en tête là, toujours été même bien. Et puis, si nous voulons une troisième page, nous allons faire le même travail là. Nous allons toujours dans la fin page là. OK? Et puis, nous mettons Q sur nous la donne, bien en évidence. Et après, nous allons dans saut de page. Nous faisons page suivante. Et puis, qu'on y a là, les ballons, on sait le petit point. Et puis, les ballons encore dans la troisième page là. Immédiatement, qu'on est rentré dans la troisième page là, qu'on y a là. Et ça, nous allons faire qu'on est là, nous allons changer titio en tête de page. On est là, première, nous avons l'introduction à quitter comme ça. Deuxième, nous allons changer titre deuxième. Là. Ok, nous sélectionner, nous cliquons deux fois sur en tête là, nous sélectionner. Et puis, avant que nous changer les, nous allons encore dans la mise en page là, et que nous avons déjà dans en tête de page là, pardon, et puis nous faire lier au précédent. Et puis, immédiatement, qu'on y a toujours dans la deuxième page là, nous sommes capables de changer. Là, dans ça, on a mis le développement. Développement. OK? Dans le développement, ça, c'est titre deuxième page là. Là, nous dézoomer, par exemple, nous regardons, nous, et le premier titre là, nous toujours été avec introduction. Deuxième, nous avons un développement, les différents deux premières. Et puis, troisième, nous avons le même mot encore. Et troisième, nous avons le développement. Nous allons dans la troisième page là. Là, nous allons dans la troisième page là maintenant. Dans la troisième page. Et puis, nous allons faire en sorte pour que dans la troisième page là, les différents de premier et deuxième. Nous allons le ballon au nom, après l'île, et après l'île, conclusion.
OK, dans conclusion, nous sélectionnel, nous toujours dans la tête là, nous fait lier au précédent. Et puis dans troisième temps, on a marqué conclusion. OK, dans conclusion qu'on a là, nous mal au troisième titre qui est conclusion. Et puis on dézoome encore et puis nous voyons que qu'on a là dans tous les trois documents, dans tous les trois pages, nous avons première qui marqué introduction, deuxième dans marqué développement et troisième dans marqué conclusion. C'est pareil pour bas de page. Là, nous gardons bas de page là en bas. Et puis, nous sommes capables de cliquer. Si nous voulons, par exemple, tout titre dans bas de page, il était même genre. Par exemple, dans bas de page ici, là, nous voulons que nous marquions un numéro de téléphone, adresse email, ou bien adresse et que côté entreprise non IA. Nous sommes capables de marquer 06 90 55 55 55. Donc, et puis, nous allons dans l'accueil toujours. Nous voulons mettre au milieu, nous voulons mettre en gras, ok, nous sélectionner, nous voulons mettre en gras, nous mettre au centre, et puis, nous allons, tous les trois qu'on y a là, nous gagner dans le bas de page là, nous gagner même genre. Si nous avons différent, nous allons faire même étape que nous sommes expliqués là, là, qu'on y a là. Donc, qu'on y a là, nous gagnons tous les trois documents ça, comme nous disons, comment vous faire une en tête avec et chaque en tête différent, dans chaque page différente. Donc, c'est comme ça que nous sommes capables de faire les changer. Donc, dis-nous, deux règles à respecter. Premièrement, c'est mettre marque de page. Et puis, une deuxième règle là, c'est la mise en page là pour nous aller dans la mise en page. Et puis, nous faire saut de page. Et puis, page suivante pour nous capables de gagner dans chaque fin de paragraphe. Merci à tous. C'est ça que nous avons gagné pour nous-mêmes le dire là. Nous espérons.